Bienvenue donc au Salon du Livre à Genève aujourd'hui. Et quel est votre sentiment alors après cette journée au Salon du Livre à Genève et pourquoi Genève ? Parce que j'aime bien voir les gens. Et quand je fais un livre, c'est très important pour moi d'aller voir les lecteurs. Et j'ai quand même des liens avec votre beau pays parce que je l'ai connu il y a très longtemps, quand j'étais reporter sportif. J'ai beaucoup d'amis qui habitent ici. Et venir à Genève, c'est très particulier. Parce que d'abord, c'est bien organisé. Moi qui suis quelqu'un de très précis, qui aime bien rencontrer des gens calmes, qui viennent me poser des questions sur mes livres, qui suivent mon travail depuis longtemps. Et dans les salons du livre, c'est là où on peut rencontrer des gens, bavarder avec eux. J'aime voir les gens simples. Donc c'est le relationnel, vous êtes une personne très relationnelle. Important. Ouais. Je viens autant signer mon livre que d'en poser des questions. D'accord. Je passe autant de temps à signer qu'à les interroger. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut du temps pour rester jeune ? Oui. Oui, il faut du temps, c'est du travail. C'est du travail. Oui, il faut du temps parce qu'on évolue, parce qu'on n'est pas le même, parce qu'on peut s'améliorer physiquement, je pense, et intellectuellement avec le temps. Et puis avec le temps, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup appris et finalement, avec le temps, on apprend à vieillir sans devenir vieux. Ce n'est pas la même chose. On apprend à vieillir sans devenir vieux. C'est intéressant. Vieillir, c'est inéluctable. Devenir vieux, ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, c'est toute une question d'état d'esprit, finalement. Oui, je connais des gens de 40 ans, 50 ans qui sont très vieux. Ouais. Et je connais des gens de 95 ans qui sont d'une jeunesse incroyable. Est-ce que l'écriture est une thérapie, Michel Drucker ? Oui, moi j'ai toujours voulu laisser des traces. Mm-hmm. Et puis la télé, c'est des images, c'est du son qui s'envole. Ouais. Comme ça. Et c'est vrai que je suis assez fier de ça parce que je ne suis pas un écrivain naturel. Je ne suis pas un romancier naturel. Mais j'ai tout appris comme un autodidacte. Mm-hmm. Et c'est vrai que sur les livres que j'ai écrits, j'en suis fier parce que c'est un témoignage sur notre métier, j'espère. Le livre sur « Qu'est-ce qu'on va faire de toi » était très important pour moi, ça a donné un film. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que les gens viennent me voir et qui ne sont pas forcément des téléspectateurs qui viennent voir l'homme du dimanche. Et les gens qui me suivent à travers mes livres. Mais vous faites partie de notre famille, voilà, de notre quotidien. Ça me touche beaucoup de voir des gens qui viennent avec mes livres. Ouais. Parce que les livres, il faut acheter un livre, s'intéresser aux écrits de quelqu'un qu'on voit dans son poste tous les dimanches depuis tant d'années, c'est autre chose. Laisser une trace écrite, c'est autre chose que laisser des images. Et vous êtes un homme d'image aussi, hein, vous êtes un homme de télévision, de cinéma. J'ai vu aussi que vous avez fait un peu de chansons, J'aime bien faire plein de choses en même temps, mais en amateur. Voilà. Et ce que je fais le plus sérieusement, c'est mon métier. C'est votre métier. De télé. Et maintenant, l'écriture. Et puis surtout, je suis sur scène. Le must. Je suis sur scène depuis 2 ans. Vous êtes. Voilà. Alors, ça c'est un point très important. Et on aimerait beaucoup vous partager en quelques minutes ceci avec nous. Mais le must pour un auteur, pour parler de votre dernier roman, c'est d'être traduit ou d'être mis sous forme d'image. Vu que vous êtes un homme quand même d'image, donc sous forme de cinéma, on peut parler de ça. C'est quoi le must pour vous ? La réussite pour un auteur. D'abord, est-ce qu'il y a une pour définition ? Pour un auteur, c'est d'être adapté au cinéma ou à la télé. Ah bah voilà. Ma grande fierté, c'est que mon premier livre, qui était le livre qui a tout déclenché après, qui était un best-seller, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Ouais. Il a été adapté. Mm-hmm. Un téléfilm qui a eu beaucoup de succès, mm-hmm. qui est passé 2 fois. Oui. Et ça, c'est très important pour moi. D'accord. C'est vrai que moi, tout ce que j'écrirai maintenant, je pense image, évidemment, à l'image. Et vous êtes sur scène, on fait la transition. Ah, ouais. Et vous avez beaucoup de plaisir, j'imagine. Voilà, là, c'était une épreuve parce que je ne pensais pas que je réussirais ça. Mm-hmm. Je dis, je le fais, même si ça ne marche pas, au moins je saurais ce que c'est, même s'il y a 50 personnes dans la salle. Je voulais savoir ce que c'était que d'être seul sur scène, d'être traverser le miroir. Ouais. La première fois, j'ai dit, je vais me mettre à la place de ceux que je présente. Exactement. Je vois ce qu'ils ressentent. Et là, j'ai vu ce que c'était. Et vous aimez les défis. Oui. Mais moi, je ne peux pas être heureux si je n'avance pas. D'accord. Donc, j'apprends des choses tout le temps. Donc, ça ne va pas très évident de s'arrêter comme ça un jour, mais vous n'allez jamais vous arrêter. Non, jamais.
C'est impossible. Là, en Espagne, en 3 ans, je suis devenu pilote d'avion. Ça m'amusait. J'ai été les cours. Je suis passé à l'avion, sans diplôme, au départ. Donc, j'ai fait vraiment travailler la tête. En fait, j'arrive. Moi, je suis un tardif qui a commencé tôt. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai pas fait de longues études, alors que j'ai une mémoire assez forte qui me permet de... Par exemple, mon grand challenge, alors évidemment c'est très technique ce que je veux dire, mais mon grand challenge et ma grande fierté, c'est d'être pratiquement le seul à la télévision et peut-être presque dans le monde à faire mon métier sans oreillette et sans prompteur. Et vous avez quelques fiches, mais enfin pas beaucoup. C'est tout. Voilà. Mais quand je lis pas le texte sur un prompteur et en me soufflant sur un... Voilà. Je fais uniquement confiance à ma mémoire. Et à votre intuition peut-être aussi, non? Aussi, oui. Et puis à ma puissance de travail. D'accord. Parce que je sais que je suis capable de travailler plus que les autres. Voilà. Donc, votre dernier roman, Il faut du temps pour rester jeune. On vous remercie infiniment de ce moment de partage. Ça m'a fait plaisir. Et puis j'espère que ça donnera envie aux gens de rester jeunes. J'espère. C'est un petit peu une ordonnance. Moi.